en Amazonie. Putain, je suis bloqué. Tu vois, c'est là que je me dis que la chance, ça compte quand même, parce que bah, j'ai galéré. Toute la matinée, j'ai galéré. Je suis parti, il faisait beau. Après, ça s'est couvert. Hier, il a plu, il a beaucoup plu. Je perds la queue du ratchet dans les... vous verrez, bah, là, au début de la vidéo, vous l'avez bien vu, je me perds dans... Mais là, c'est du pipi de chat, je veux dire. Fallait avoir un bulldozer pour passer pendant peut-être une heure. J'ai essayé de passer. Bon, bah, voilà, je perds le ratchet. Après, je vais faire un autre spot avec le ratchet. Je comprends vite que bon, bah, ça va pas fonctionner avec le ratchet. Du coup, je me dis, on va mettre le max low. Et puis, en fait, dans la pêche, il y a aussi une part de chance. Hein, et là, sur le coup, j'ai un gros coup de chance. J'y croyais plus. Franchement, ça faisait peut-être 20 minutes que j'étais sur le spot. Et puis, je dis, allez, vas-y, je fais demi-tour, je rentre. Et là, je lance. Et puis, je dis, ouais, mais poisson, bah, je lui lance sur la tête et il me met la misère, franchement il me met une bonne misère. Je me sers pas spécialement, vous verrez sur la vidéo, je me sers pas spécialement du frein, je bride pas, je préfère limite brider un peu avec mon pouce parce qu'on est quand même sur un Komodo qui est d'occasion, qui a bien vécu, même si je veux que ça soit indestructible les Komodo, hein, d'après tout ce qu'on me dit sur Okumo, le Komodo, c'est un très bon moulinet. Voilà, je mets la main sur la bobine, je le retiens avec la bobine, de toute façon je suis en 40 centièmes et en 100 centièmes pour le silure, donc ça risquait pas bien grand chose, à part si mes nœuds avaient été mal faits, je voyais que là où ça aurait pu, rompre. Il me met la misère, voilà. Tu le sais, moi, fat fromage, c'est de la vidéo simple pour pêcheur simple, hein, j'ai pas prétention d'être le meilleur. Salut les copains, le problème de Google Maps, c'est que c'est Google Maps, quoi. Ça te dit pas l'entrée des chemins, tu sais pas où c'est. Ce matin, je me suis retrouvé sur un spot qui était plutôt prometteur, j'ai traversé toute la Loire. Ce matin, il faisait beau, maintenant, ça s'est couvert. Ouh, la glisse. Ça a l'air d'être là, tiens. Ouh, 4-4. Ouh. Bon, alors pour une fois, c'est dégagé. Ah yes, elle est là, la Loire. Bon, ça a plu toute la nuit, donc je pense que si jamais il y a quelque chose à faire... Ça va être, ouais, j'ai perdu la queue du ratchet dans le combat ce matin. Du coup, il a fallu que je mette la queue d'un autre swim. Mais tu vois, en noir comme ça, ça lui va pas plus mal. J'avais bien les boules, mais bon, c'est comme ça. Ça a plu de ouf cette nuit. Du coup, il y a un courant de malade. Et puis, c'est surtout que ça s'est teinté à bloc de chez bloc. Est-ce que toi comprendre pourquoi moi jamais mettre d'argent dans les waders? Parce que autant il y a des trucs que tu peux en prendre soin, comme un moulinet, une canne à pêche, autant les waders, en règle générale, bah, tu les pourris, quoi. Est-ce que toi voir l'enfoncement, la cassure, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Ça c'est top même. Est-ce que toi voir l'enfoncement là? Ça c'est bien ça. Bon, j'ai encore changé d'endroit. Là, on est plus sur un spot que je connais. Maxlow. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça répond pas au dur. Vu que l'eau est très teintée, on va essayer de faire un peu de bruit. Là, je tombe un peu dans l'horaire de merde. La tranche de midi. C'est pas le meilleur horaire qui existe, mais bon. Oh bah. Alors tombé. Ah, t'as vu? Ah, ça c'est un glan. Ah, moi je vais lancer dessus. Hein. Et dans l'eau, vu que je suis du bord, je vois pas qui m'emmène.
Putain. Oh, puis c'est un bon compagnon. Hein. Excusez-moi, mot vulgaire. Ah bah je vais lancer sur la tronche. Forcément. Allez, petite période d'accalmie. Il va refaire son rush. Du temps que je peux gagner du fil qui se débat pas trop. Ouais, il est peut-être pas si gros que ça au final. Alors, je sais pas du tout comment ça filme. Allez, il va refaire son petit rush. Ah bah, je lui jette dessus, donc forcément. Allez, à l'autre. Bon, je peux vous dire d'entrée de gamme. Hein. C'est un glane, pas besoin de vous faire un dessin. Ah voilà, je l'ai assommé. Je vais lancer dessus, mon petit a dû se retourner, a dû se dire c'est quoi. Ouais, c'est peut-être bien un silure qui doit faire. Il doit peut-être bien faire son maître. Ouais, si, il doit faire son maître. Bon, je t'adore, mon gros. Mais je... Hop là. Pas content le garçon. Wow. Et de nouveau mot vulgaire. Ouais, je retiens toujours le frein avec mon pouce. Alors je vais te dire pourquoi. Hein. Parce que moulinette à moulinette d'occasion, j'ai un doute sur le frein. Alors tu vois, pour pêcher le bec, ça va très bien. Après le glane. Ah putain, mais la misère quand même. Doit pas être bien fatigué. C'est peut-être un peu plus gros qu'un mètre. Oh oui. Oh oui, c'est plus gros qu'un mètre. On va le ramener vers le bord. Allez, je veux pas que tu me niques la tétaine. Ouais, j'y mets le pouce. Et Mucus! Ouais, ça fait peut-être bien son petit mètre 30. Alors, combien tu fais? Oh, ouais! Oh, oui! Oh, oui, tu fais bien ton petit mètre, hein, mon garçon! Et bon, le maxo? Ouais! Ouais! On n'est pas bien là entre potes, hein? Je te relâche. Bon les gars, ça fait 1m90 de mètre. Hein. Regardez. Je suis 1m83. Je te lâche? Allez. Au max low. Hein. Je t'ai jeté sur la tête. Il a une bonne tête. Regarde la taille de ma main. Regarde la taille de sa tête. T'es toute beauté. Je te lâche. Allez, je te remets à l'eau. Tu t'es bien battu. On fait une photo comme tous ces gros pêcheurs de glanus. Là. Ouais! Allez. Allez, va. Non, mais là, t'es pas dans le bon sens, gros. Voilà. Allez. Bon, attends. Adieu.
C'est comme lui. Et là, il m'attrape et il me tire en arrière. Ha 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 ha.